Shavua Tov à toutes et à tous. Baruch Hashem, on se retrouve pour continuer les commentaires sur notre récit, l'exil du princesse. Et on va continuer donc. Ah oui, alors on m'a demandé de dédier ce cours à la mémoire de Shalom Ben Yosef Ben Sulima, de Fradji Gaston Ben Shlomo et de Esther Bat Rivka. Voilà. L'Elun Shmatam, Bezrat Hashem. Alors, on va continuer donc dans les commentaires. On a vu que la princesse, elle a beaucoup parlé de sommeil, parce qu'elle a dit finalement au second du roi, l'essentiel ce sera le sommeil. Vous vous rappelez quand la première fois, elle lui a dit de pas dormir, à toutes les fois d'ailleurs, elle lui a dit de pas dormir, et chaque fois il est tombé dans un grand sommeil. Et donc on pourra dire que, si vous voulez, l'éveil, si on parle de sommeil, que l'essentiel c'est le sommeil, ça veut dire qu'il faut rester éveillé.
Et donc on voit que l'éveil dans ce cours-là, dans cette histoire, c'est en fait l'épicentre de tout le conte. D'accord? Puisqu'on parle de sommeil et que l'essentiel c'est le sommeil, donc ça veut dire qu'il faudra l'essentiel dans ce conte, l'épicentre de ce conte, c'est l'éveil. C'est pour ça que ça nous ramène encore à l'introduction où Rabbi Nachman, il a dit: en chemin, j'ai raconté une histoire et tous ceux qui l'ont entendue ont éprouvé un élan, un éveil, un élan, ça veut dire un éveil de recommencement. D'accord? Donc ça veut dire que même l'histoire en elle-même qu'il a raconté Rabbeinu, son introduction avant même de raconter l'histoire, il a dit que en chemin j'ai raconté une histoire, que tout celui qui l'a entendu, il a eu un élan, un éveil de recommencement. Donc pourquoi? Parce que là-bas, dans cette histoire, si vous voulez, le centre de l'histoire, c'est le sommeil. Et en fait, ceci, dans la mesure où le fait de se renouveler, du renouveau, le regret de s'être égaré, d'accord, sont des signes d'éveil. C'est-à-dire que quand une personne, elle regrette une chose, quand on regrette quelque chose, ça veut dire qu'on s'éveille à notre comportement. Et ça s'appelle un éveil, d'accord? Le regret, c'est un éveil. Des fois, c'est un réveil, des fois, c'est un re-éveil, parce que on a des rechutes, on a des rechutes. Et donc, ça s'appelle, c'est une conscience qui a pu, en fait, être reléguée, cette conscience, dans des zones de très, très lointaines, très brumeuses du subconscient. D'accord? C'est là-bas que se trouve, si vous voulez, cet éveil, et que de temps à autre, alors nous avons des sursauts de cet éveil. Alors, pour essayer de mieux saisir ce qu'on vient de dire, cela, alors on va se pencher sur un cas typique de torpeur, d'accord, d'insensibilité, d'apathie, d'accord, qu'un homme qu'on vit tous journellement, et on va donner cet exemple, c'est le sentiment hostile que ressent l'homme face à l'homme moyen, d'accord, l'homme moyen face au réveil matinal. Quand on se réveille le matin, c'est quelque chose qui est le plus difficile. En fait, c'est de mauvaise grâce qui va se lever, parce qu'il y a des pressions extérieures, le travail ou sa conscience, c'est-à-dire qu'il ne le laisse pas. Mais en vérité, si vous voulez, quand il entend la sonnette le réveiller, alors ça met finalement fin à tous ses rêves. Un bon coussin, une bonne couette, d'accord? C'est quelque chose que c'est très difficile de sortir de cet état-là. Et tout le monde ressent cette difficulté. Et donc ça s'appelle, si vous voulez, le sommeil. Et c'est quelque chose, c'est un exemple de torpeur où on se trouve tous les jours. Et en fait, pour comprendre ça, il faut savoir que dans la première phrase du Shulchan Aruch, du code de la vie juive, il commence et il semble lancer un défi, si vous voulez, à cette tendance d'apathie, de torpeur, de sommeil. Pourquoi? Parce que il nous enjoint le premier, avant de commencer, c'est-à-dire la première loi, c'est que l'on se renforce comme un lion pour se lever le matin et servir son Créateur. Donc, on voit que le code de vie juif, il nous dit de nous réveiller comme un lion, alors que notre nature, on est loin d'être des lions. Et on est plutôt bien, 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 bien loin de cette chose-là. Et donc, finalement, c'est bizarre que le code de la vie juive, il nous demande de braver notre nature, d'accord? On nous demande une audace qu'on est loin d'avoir, et qu'on voit que non seulement c'est difficile, mais en plus de ça, hein, c'est un effort que tous les jours on réitère et qui est pas facile. Et même si on arrive à se lever, on est loin de se lever comme des lions. Et c'est sûr que maintenant, pour comprendre, on voit que physiquement, il est évident que la gravité, c'est-à-dire la pesanteur, le pouvoir d'attraction, attire tous les corps vers la terre. C'est-à-dire que si vous prenez un objet et que vous le laissez tomber, d'accord, vous prenez une cuillère, une fourchette,
vous la mettez en l'air et vous la laissez tomber, elle va tomber sur la table ou par terre. Pourquoi? Parce que il y a, si vous voulez, physiquement le centre de gravité, il y a un pouvoir d'attraction. Et finalement, nous les hommes, ce pouvoir d'attraction, on le sent dans les hommes, les êtres humains, on le sent dans notre corps. Et ça s'appelle, on est enclin à l'inertie, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas des fois à bouger. Donc maintenant, finalement, on voit que c'est une nature d'aller vers le bas, d'être attiré vers le bas, d'être attiré vers le sommeil. Et c'est un effort très grand de, même des fois, même dans la journée, on peut avoir des moments de fatigue où on a tendance à aller vers le bas, où on peut même s'endormir, même si on est assis, quand on est fatigué. Alors que, donc, ça veut dire que ce centre d'attraction, il est naturel chez l'être humain. Et donc, elle n'est pas du tout évidente, cette force. Et à preuve que maintenant, s'il n'y avait pas des pressions extérieures, comme on a dit tout à l'heure, le travail ou la famille ou le fait, toutes sortes de pressions, que ce soit religieuses ou toutes sortes de pressions, alors finalement, si vous voulez, l'être humain, il préférerait rester dans cette inertie. Et donc, on voit que le code juif, le code hébraïque, il nous rentre en conflit avec cette nature, d'accord? Avec la nature qui est élémentaire, ça veut dire qu'on voit que naturellement, on est attiré vers cette inertie. Et en nous convient à prendre parti contre cette dernière. Ça veut dire que maintenant, le code hébraïque, il nous dit, voilà, tu dois te lever comme un lion. Alors, et on voit que dans la forme du texte, finalement, c'est cette image comme un lion, et pas moins, d'accord? Pas moins qu'un lion. Et on aurait pu dire, lève-toi, encourage, sois fort, en prenant compte de notre nature. Mais là, on nous donne, si vous voulez, on nous demande d'être comme un lion, c'est-à-dire que c'est vraiment complètement à l'opposé de notre nature. Et finalement, cette image, elle s'adresse à chacun de nous. Mais finalement, on a l'impression que ça concerne une élite. Ok? Qui c'est qui se lève comme un lion? Ça concerne qu'une élite. Alors, est-ce que c'est de la stimulation? Est-ce que c'est un encouragement? Peut-être pour les forts, c'est un encouragement et de la stimulation. Mais pour ceux qui possèdent une certaine clé, ou peut-être pour ceux qui possèdent une certaine clé, d'accord? Mais comment pourrait-on espérer de tant de bravoure, d'accord? De la majorité des gens, ça veut dire nous tous, qu'on est finalement du commun des mortels. Vous comprenez? C'est quelque chose de... C'est une question, c'est vraiment une question sur le code juif. Et en de plus, et c'est là le sommet de tout, ce qui est désigné comme la raison, le but de tant de vaillance, d'accord, qu'on nous demande, ce serait la notion de servir Dieu qui est évoquée. On ne nous demande pas, lève-toi comme un lion pour aller faire des affaires et gagner beaucoup d'argent. On nous demande, lève-toi comme un lion pour servir ton Créateur. Donc on nous demande en plus de ça, de nous lever comme un lion et de servir une cause, d'accord, une notion de servir Dieu qui est évoquée. Et cette notion-là, elle est très distante de nous et de la mentalité courante. Que ça veut dire d'aller se lever pour servir Dieu? Quand on évoque le fait de servir Dieu, à la simple évocation de cette chose-là, de dire on va servir Dieu, alors les gens poseraient une question légitime. C'est quoi cette question? À quoi bon servir Dieu? D'accord? Qui suis-je d'abord pour que... Je suis tellement microscopique, je suis une particule microscopique. Et qu'est-ce que je suis pour prodiguer une quelconque prestation au Créateur Tout-Puissant qui représente la lumière infinie et qui apparemment se passe de toute aide et de tout service? Ça veut dire, en d'autres termes, qui je suis moi? Qu'est-ce que ça va changer si je me lève le matin? Est-ce que ça va changer si je sers mon Créateur? Toutes ces questions, elles sont légitimes. D'autant plus qu'on a expliqué que ça va à l'encontre de notre nature. Et si telle, elle est l'objection qu'on dit, donc c'est une question, d'accord? Alors, d'où on va aussi puiser les forces comparables
à celle du lion pour se lever le matin et accomplir des actes hors de propos, d'accord, hors d'atteinte. Comment c'est possible? Ça veut dire que maintenant, on nous demande d'être comme un lion. Et ce que cette question, elle nous sous-entend, on va la traduire en clair. Puisque Dieu, il est parfait, d'accord, complet en soi, en quoi pouvons-nous l'aider, le servir? Que fit-il de nos sacrifices, tous les sacrifices qu'on fait tous les jours, tous les efforts qu'on fait, de nos prières? Surtout lorsque ces prières, elles sont vraiment de qualité plutôt médiocre. On est très loin de la prière. Quand on prie, on ressent une lourdeur, c'est difficile, etc. Et si tant est que l'on puisse trouver un sens à un certain service, celui par exemple que font les grands serviteurs, d'accord, si on se compare aux grands justes, aux grands tzadikim qu'on appelle des grands serviteurs, en quoi le culte d'un humble mortel comme nous pourrait-il présenter un quelconque intérêt à Dieu, d'accord? En quoi une prière qui serait routinière et sans faveur, sans ferveur, qu'on va balbutier des prières de piètre prière, d'accord, sans trop grande valeur, elle pourrait fournir le moindre apport aux yeux du Tout-Puissant? Tout ça, c'est des questions qui sont légitimes. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, on a touché un point qui est le fait de toucher à notre nature. Donc, si on touche à notre nature et qu'on nous demande maintenant d'être fort comme des lions, on a le droit de se poser la question, je suis pas fait comme un lion, comment on peut me demander des choses pareilles? D'accord? Et pourrions-nous aussi sous-estimer ces questions? On peut pas les sous-estimer. Sûrement pas. Et en fait, c'est les plus importantes qui existent sur Terre, ces questions. Parce que si on arrive à répondre, à donner des réponses, alors c'est de la réponse qu'on aura, qu'on pourra trouver notre essor et le renouvellement et les forces pour pouvoir accomplir cette chose-là. C'est-à-dire qu'on est obligé de trouver, si on nous demande dans le code hébraïque, on nous demande des choses pareilles, c'est la première chose qu'on nous demande, puisque si vous voulez, quand on ouvre les yeux le matin, on revient de très loin. Et donc on nous demande de se lever comme un lion. Si on nous demande des choses pareilles, ça veut dire que il y a une réponse, et que si on avait cette réponse, on aurait la clé pour pouvoir accomplir cette prescription, d'accord, que le code nous demande. Alors, en plus de ça, le Talmud, il nous affirme que celui qui revendique, ça veut dire que celui qui exige, on nous exige quelque chose, d'accord, il doit apporter des preuves. Si par exemple je dis à quelqu'un, tu dois faire cette chose-là, je dois lui amener une preuve pourquoi il faut la faire. C'est très facile de dire à quelqu'un, tu dois faire. Mais tu dois faire, c'est moi, on n'est pas dans une dictature. On doit expliquer pourquoi on doit faire. Donc le Talmud, il nous dit que si par exemple, on vient revendiquer quelque chose, on vient exiger quelque chose, un droit, alors on doit apporter des preuves. Et donc ça veut dire que si la loi, elle me demande un effort surhumain, elle est aussi tenue, cette loi, de me montrer son bien fondé. Sinon, ça vaut rien. On peut pas, sinon c'est quelque chose qui est refuté. C'est très facile de dire à quelqu'un, lève-toi comme un lion. Si tu viens pas lui amener une preuve pourquoi il faut se lever comme un lion, ça sert absolument à rien de lui demander et de lui dire. D'accord? Donc, toutes ces questions, elles sont de fond. Finalement, ce serait de démontrer l'autorité du code à requérir l'effort. Ça veut dire qu'on nous demande, le code, il nous demande de requérir de l'effort, mais si vous voulez, de démontrer pourquoi il faut faire cet effort-là. Et finalement, ce serait aussi une preuve, une porte, excusez-moi, de ménager une porte d'entrée pour chacun, et qui serait une ouverture vers le monde de l'essor, le monde du renouveau, le monde du courage, d'accord? De la, finalement, régénération, de se régénérer et du rétablissement. Ça veut dire que de sortir de cet état d'apathie et de lourdeur pour de se régénérer. Alors,
Finalement, à la lumière d'une juste réponse, finalement, on arriverait finalement à trouver la réponse et on pourrait vraiment se transformer en lion et sortir du lit comme un lion parce que c'est tout, c'est comme si on recevait un moteur et qu'on comprendrait quelque chose qui nous donne la force de nous lever comme un lion. Et en fait, il y a aussi une autre question. Il y a aussi visuellement, parce que si on reprend la Mishnah, le traité de la Mishnah, et on parle de d'autres. En fait, la Mishnah nous dit comme ça. Yehuda ben Tema, il nous dit, sois audacieux comme le léopard, puissant comme le lion, léger comme l'aigle et rapide comme le cerf, pour accomplir la volonté de ton Père du ciel. D'accord? Donc on voit. Si c'est ainsi, on voit pourquoi on a retenu seulement le lion, a éludé les trois autres, et on a mis de côté les trois autres figures, d'accord? On n'a parlé que du lion. Pourquoi le code de loi, il a pas amené d'autres éléments, puisqu'il a, le code de loi, il a pris de, soit fort comme un lion, de ce traité de la Mishnah. Et donc, il y a d'autres aspects, il y a encore trois autres figures dans cette Mishnah, et on n'a parlé que du lion. En fait, pour pouvoir éclaircir tous ces points, toutes ces questions, alors il faut finalement retourner aux origines de notre monde, comment il a été fait, et telle qu'elle décrit notre tradition, et comment le monde il a été fait. En fait, dans le troisième verset de la Bible, tout au début de la Bible, où Dieu il dit que la lumière soit. Et donc, à partir du moment où Dieu a dit que la lumière soit, alors la clarté originelle, elle fut émanée dès le premier jour de l'œuvre. Ça veut dire que tout de suite, dès que Dieu a dit que la lumière soit, il y a eu une clarté dans le monde. Avant ça, il y avait de l'obscurité. Mais seulement, on voit que la création des astres, qui sont nommés luminaires, ça veut dire le soleil et la lune, c'est la création des astres, est porteur de cette clarté. Donc ça veut dire que Dieu, il a amené de la lumière sur terre avant d'amener ces luminaires-là. Et ces luminaires, ils ont été créés. Donc le troisième jour, le troisième verset où Dieu dit que la lumière soit, d'accord? Après, il a fallu attendre le quatrième jour de la création pour que Dieu y crée ses luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune. Et on voit que le Talmud, il nous décrit cette épopée, comment ça s'est passé. Et il nous décrit cette épopée d'une façon très féerique et qui, finalement, singulièrement, qui est très très proche des contes de Rabbi Nachman. Si vous vous faites attention, vous prenez la Bible au tout début, vous regardez un petit peu les commentaires de la Bible, comment ça s'est passé, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très féerique, de très beau et qui est proche des contes de Rabbi Nachman. Et finalement, on voit que l'installation des deux grands luminaires au sein du cosmos, alors c'était un ballet extraordinaire, qui était aussi romantique et aussi pathétique, vraiment, parce qu'il y avait en même temps quelque chose de très très beau, mais en même temps quelque chose de très angoissant. Et en fait, on va dire le résumé comment ça s'est passé. Lorsque Dieu il a désiré installer dans le ciel les deux luminaires, porteurs de clarté, de lumière, d'accord, et finalement, cette clarté, elle était destinée à servir de signe et de repères spatio-temporaires pour les humains. Et finalement, il a scindé Dieu, cette lumière, en deux parties. Lumière et énergie. Il y a de la lumière et il y a de l'énergie. C'est en fait deux pôles bien distincts. Qui finalement, il y a un pôle masculin qui émet la lumière, qui s'appelle le soleil, et l'autre qui est féminin, qui est récepteur, d'accord, puis retransmetteur, qui s'appelle la lune. En fait, la lune, elle n'a pas de lumière,
elle n'a pas de lumière en elle-même. Ce qu'elle reflète, c'est la lumière du soleil. Donc, il y avait deux pôles distincts qui étaient le côté masculin qui est le soleil, qui émet de la lumière, et la lune qui est le côté féminin qui est récepteur de la lumière du soleil. Il faut savoir que lors de la première phase de conception, quand Hachem il a créé la première, quand c'était la première conception, alors ces deux astres, ils brillaient du même éclat. C'est-à-dire que c'est pas comme aujourd'hui où, si vous voulez, quand c'est la nuit et qu'il y a même dans le meilleur des cas une pleine lune, alors on va voir dans la nuit la lune qui reflète, et si le ciel il est dégagé, on pourra un petit peu voir ce qui se passe. Mais c'est pas la même clarté que quand on est en plein jour avec le soleil. Mais au niveau originel, quand Dieu il a créé ces deux astres, si vous voulez, alors les deux astres y brillaient du même éclat, et c'est pourquoi ils figurent tous deux qualifié de grands luminaires. Parce que dans la Bible, c'est marqué deux grands luminaires. Ça veut dire deux grands luminaires, c'est que les deux y brillaient de la même clarté. Bien qu'il y en avait un qui était masculin et l'autre féminin, mais les deux y brillaient de la même clarté. D'accord? Mais voici que ça, on savait que l'enjeu du cosmos était de fournir, en fait, un terrain d'épreuve aux humains, et ce afin de permettre à ces humains de mériter leur part de gloire et de félicité éternelle. Parce que sachez que si c'était resté comme ça, comme à l'origine, c'est-à-dire que ces deux luminaires, ils devaient briller de la même énergie, alors on n'aurait eu aucun doute sur tout ce qui se passe avec nous. C'est-à-dire qu'on aurait compris. Dans la matière, on aurait vu Dieu. Dieu, il aurait été clair dans n'importe quelle situation. On aurait pu déchiffrer Dieu dans n'importe quelle situation. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y avait aucun moyen de se tromper. Et si vous voulez, Dieu, on l'aurait reconnu dans chaque situation. Mais à partir du moment, si vous voulez, où si les choses, elles sont évidentes, alors on n'a plus de mérite. C'est-à-dire que si une personne, les choses, elles sont claires pour lui, où va être son mérite? Comment il va? Si les choses, elles sont claires, on voit tout ce qu'il faut, on voit que les choses, elles sont claires, quel est le mérite? On n'a plus de mérite par rapport, si vous voulez, à ce qu'on pourrait recevoir comme récompense. Donc, si vous voulez, la lune, elle représentait l'aspect externe du créé, celui, en fait, qui a à conquérir. Ça veut dire que c'est la matière, ça veut dire de trouver la présence de Dieu dans cette matière. C'est-à-dire que nous nommons, que nous, que, qu'aujourd'hui, on va nommer ça la masse. D'accord? C'est la masse, le côté matériel, tout le matériel. Dans la masse, qu'est-ce qu'on voit? On voit absolument rien. En vérité, dans la masse, il faut savoir, chers amis, que Dieu est présent dans la masse. Mais seulement, allez expliquer à quelqu'un que Dieu est présent dans la masse. On voit absolument rien du tout. C'est caché de nous complètement. Et donc, cette masse-là s'insurgea. C'est en fait la lumière de la lune qui était claire à l'époque et qui dit: Maître de l'univers, est-il possible que deux rois utilisent une seule et même couronne? Ça veut dire que maintenant, s'il y a deux luminaires qui brillent de la même façon et que tout est clair, tout est clairvoyant, qu'il n'y a pas de doute sur rien du tout, que la masse, elle brille, qu'on arrive à trouver Dieu dans la masse. Donc ça veut dire qu'il y a deux luminaires et ça veut dire qu'il y a deux rois qui brillent. Et il y a une seule couronne. Donc, si vous voulez, la lune, elle est partie faire une objection. Elle a dit: Mon Dieu, c'est pas possible d'avoir une seule couronne pour deux rois. D'accord? Il y a une couronne pour une tête, pour un seul roi. Sous-entendu, ça veut dire quoi, ce sous-entendu de la lune? Si les deux luminaires y brillent du même éclat, avec le corps, la matière, la forme, que moi, la lune, je symbolise, d'accord? Je symbolise toutes ces choses, la matière, la forme, le corps. Alors, et que cela serait aussi clair et transparent que l'âme et l'esprit que le soleil représente, puisqu'on a dit que le soleil représentait l'âme et l'esprit des choses, alors tout serait alors si évident que l'homme comprendrait tout. Il va complètement déchiffrer les énigmes, à commencer par son propre mystère. Vous imaginez si on avait cette clé-là, alors on pourrait comprendre exactement
toutes les parties d'ombre qui se trouvent en nous et qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à se comprendre, on ne sait pas qui on est. On arriverait à élucider tous ces mystères. Alors finalement, qu'est-ce qui se passerait avec l'homme si on arrivait à élucider tous ces mystères? Il n'aurait plus aucune hésitation, plus aucun choix et donc plus aucun mérite possible. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit à ce moment-là, Dieu? Il lui a dit, tu as raison, donc va te diminuer. Va te diminuer, ça veut dire commence à te diminuer, rétrécis-toi, d'accord? C'est ce que a dit le Créateur. Comme pour acquiescer en fait à la juste objection de l'astre, de cette lune-là. Alors il faut savoir que Madame la Lune, elle avait donc très bien parlé et Dieu parfaitement répondu. Parce que ce qu'elle a dit, c'est pas qu'elle a reçu une punition. Elle avait raison. Elle a parlé et Dieu, il a répondu aussi. Et donc finalement, la diminution de cette lune-là, elle découlait de son objection comme une suite logique. C'est la suite logique des choses. Et donc, c'est tel et bien le sens de cette restriction, qu'on a restreint cette brave lune. Que la matière visible va s'épaissir aux yeux des créés et que l'esprit qui y réside, ça veut dire la lumière du soleil, l'âme de la chose, elle devient plus difficilement tangible. Ça veut dire que on va voir que la masse, elle va prendre de la place et que ça va être très difficile de trouver dans cette masse l'énergie de comprendre l'âme de la chose. D'accord? La lumière, c'est finalement la présence de Dieu dans cette masse-là. Et donc, ça va créer une place pour la recherche, l'effort, l'hésitation, le doute, le choix, toutes ces émotions dont on est trituré et qu'on vit journellement dans notre vie, et aussi le choix, l'erreur, les fautes, les corrections, la réparation. Et donc, en un mot, on va dire, pour résumer tout ça, ça va nous permettre de progresser. Parce que sans cette diminution de cette lune-là, alors il est absolument impossible de progresser. Imaginez-vous quelqu'un à qui vous donnez toutes les choses, elles sont limpides, fluides, tout est compréhensible, il a tout ce qu'il faut, il a tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il pourra pas avancer d'un millimètre. Tout lui a amené jusqu'à sa bouche et tout est clair, il comprend tout, il n'a pas besoin de faire aucun effort. Donc cette diminution, elle nous permet en fait de nous remettre en cause et ça aussi, ça fait qu'on va chuter, rechuter, on va avoir toutes sortes d'hésitations, on va être obligé de faire des efforts, on va avoir beaucoup de doutes, on va se retrouver devant des choix, on va faire des erreurs, d'accord, des fautes, toutes sortes de choses. Pourquoi? À cause de ce qu'on vient de dire. Alors, il faut savoir que dans le récit de cette création des luminaires, de la création du cosmos, de la création de créer tout l'univers de Dieu, il faut savoir que dans cette histoire-là, cette lune, elle a perdu toute sa splendeur et elle s'est offusquée d'une manière très très grande, très très forte. Et pour cause de cette diminution, va découler toutes les catastrophes de l'histoire à venir. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé après dans le monde, toutes les catastrophes, l'Inquisition, la Shoah, les pogroms, les accidents, les catastrophes naturelles, tout ce qui se passe dans le monde et qui s'est passé depuis ce moment-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça vient de cette diminution de la nuit, de la lune, d'accord? De cet espécissement de la masse et qui a voilé l'énergie et occulté le sens des choses, c'est-à-dire l'âme qui est cachée dans la masse, d'accord? Et c'est ça qui va prendre forme, c'est cette masse, et qui va nous cacher la présence de Dieu. Et donc, ça a amené sur terre le mal, la pauvreté, la méchanceté, la mesquinerie, la radinerie, la bêtise, toutes les guerres, les maladies, toutes ces choses-là, elles viennent de cette origine, à savoir que cette masse, elle a été diminuée de sa lumière, et donc c'est resté une masse qui n'est pas lumineuse et qui est cachée. Et même si vous prenez le grand luminaire, que lui continue à éclairer cette masse, mais la masse, elle est tellement grande que, si vous voulez, même avec la lumière, c'est complètement caché. Donc, finalement,
On pourrait dire que cette lune, Madame la Lune, elle a engendré, elle est la mère de cette sinistre cohorte, d'accord? De cette sinistre création, finalement, qui voudrait être à la mère de choses aussi mauvaises qui sont venues sur Terre. Alors, il s'est marqué que le Créateur, comme il a vu le chagrin de cette lune, il a regretté fort cette diminution. Il a commencé à regretter Dieu, son acte, malgré qu'il fallait passer par là, parce que il était impossible de faire autrement. Sinon, le monde, il n'avait pas lieu de tenir. On ne peut pas créer des humains avec les choses qui sont aussi évidentes. Il y a besoin d'avoir tous ces, de passer par ses doutes, ses choix, ses erreurs, ses fautes, etc., pour pouvoir arriver au progrès, parce que c'est par ces moyens-là qu'on va dévoiler la lumière. Par une recherche, par le fait qu'on va regretter. Donc, qu'est-ce qu'il a fait quand le Créateur il a vu tout ça, il a regretté fort cette diminution. Alors, il a aussitôt essayé de réconforter l'astre des nuits, c'est-à-dire la lune, en lui assurant que si son éclat il s'est estompé, d'accord, que maintenant elle va pas briller que cette lune comme elle brillait auparavant, c'était pour la cause de l'humanité. C'est-à-dire que maintenant, c'est grâce à elle on voit aussi, quand on parle de la lune, si on prend par exemple les mamans, les femmes en général et les mamans, alors on voit que une mère, une femme, une mère de famille, elle prend beaucoup sur elle, parce que finalement, elle dépend de la lumière de son mari, d'accord? Mais maintenant, le fait que elle élève ses enfants, elle se lève la nuit, elle pleure pour eux. Et si vous voulez, elle représente ce profil de cette diminution, et celle qui souffre et qui accompagne ses enfants, une maman, celle qui accompagne ses enfants dans les pires bas-fonds. Et même si l'enfant il se comporte pas bien, elle reste avec lui, et une maman, ça reste une maman. Donc on voit que cette lumière-là, elle s'est estompée, mais c'était pour le bien de l'humanité. Mais Dieu lui a dit, c'est pour le bien de l'humanité. Mais que finalement, il lui a dit, ta grâce authentique, elle t'a pas du tout quitté. Parce que justement, maintenant, tu œuvres pour l'humanité. Et donc, Dieu, il a dit aussi, et ne t'inquiète pas, il va y avoir des justes qui vont venir dans la création après, dans le temps à venir. Et ces justes, ces tzadikim-là, eux aussi, ils vont œuvrer pour l'humanité, en restant très petit et en se cachant et en prenant la peine de l'humanité. Donc ça veut dire, en deux mots, Dieu a voulu la consoler la lune en lui disant, ce que tu fais, c'est essentiel, et ça n'enlève pas ta grâce, et même les tzadikim, même les justes, ils vont arriver, ils vont faire la même chose que toi. Mais en fait, toute cette consolation, elle a servi absolument à rien, parce que elle n'était pas du tout consolée. Alors, après, c'est marqué, tout ça c'est marqué dans le Midrash, que Dieu lui offrit une rivière de diamants. D'accord? Comme pour essayer de la consoler, encore une fois. Et finalement, ces diamants-là, ce sont les étoiles et les constellations. C'est les étoiles et les constellations. En fait, il nous dit le Zohar de Rabbi Shimon que ces étoiles, ce seront en fait les âmes humaines les plus généreuses. Il y en a, grâce à Dieu, heureusement qu'il y en a. C'est pas du tout, c'est des âmes lumineuses, d'accord? Que ces âmes lumineuses, elles vont se dévouer à la cause publique. Vous voyez, quand des gens, ils font du bien pour le public, organiser des cours, faire des mitzvot, s'occuper de des gens, etc. Tout ça, ça s'appelle des âmes qui sont généreuses. Et que Dieu, ça s'appelle les étoiles, c'est ça les étoiles, et que Dieu, il se sert, et si vous voulez, et qu'ils le font d'une façon désintéressée, d'accord? Et elles sont finalement, ces âmes, comparées aux étoiles, et leur rôle à ces étoiles-là, c'est de restaurer l'éclat manquant par la recherche de tous les points lumineux qui sont décimés dans l'obscurité et qui se transforment ainsi en repères. C'est-à-dire que maintenant, on est en train de parler maintenant des constellations. Quand on parle des étoiles, à l'époque, les gens, ils n'avaient pas de GPS, ils n'avaient pas de boussole. Ils arrivaient à se diriger dans la nuit par rapport aux constellations. Quand ils voyaient
la constellation du grand berger ou autre, ils arrivaient à savoir par rapport aux étoiles où c'est qui se situait au niveau géographique et au niveau direction. Mais maintenant, si vous voulez, au niveau du Zohar, Rabbi Shimon nous dit que ces âmes-là, c'est des âmes qui sont venues, qui sont généreuses et qui vont se dévouer pour le public d'une façon désintéressée et qui vont en chercher, ils vont rechercher les points lumineux qui sont décimés dans l'obscurité. Ça veut dire qu'ils vont faire en fait le travail de chercher dans les situations les pires et des points lumineux. Ils vont pas se décourager. Ils vont chercher ces points lumineux et c'est ça qui va donner des repères aux autres âmes pour se retrouver dans leur obscurité. Ça, c'est une chose. Alors, et donc, pourquoi Dieu il a créé cette. On a expliqué c'est quoi ces diamants, ces étoiles-là dans le ciel. Pourquoi il a créé ça? Pour en fait la consoler. Mais rien n'y fut non plus. Ça n'a pas marché. Elle est restée inconsolable, cette pauvre Madame la Lune. D'accord? Et c'est ainsi que cet astre qui était amoindri, qui était la Lune, elle a sombré dans les affres d'un long exil. Et finalement, cet exil, il ne prendra fin qu'à l'ère de la grande réparation. À un moment, on arrivera à cette grande réparation quand elle retrouvera enfin son éclat initial, c'est-à-dire qu'elle va retrouver l'éclat au moment où, si vous voulez, elle était à l'époque où elle brillait d'une lumière éclatante. Et qui finalement cette lumière elle sera régénérée et encore redoublée, elle sera encore plus forte qu'à l'époque où, si vous voulez, quand Dieu l'a créée. Alors, mais on voit que tout ça finalement on est en train de parler d'une catastrophe terrible de ce qui s'est passé. On est en train de, avec tous ces mots-là, tout ce qu'on est en train de dire, on est en train d'évoquer, c'est une grande catastrophe. Mais c'est aussi une conséquence, faut savoir que c'est une conséquence positive qui s'en dégage de cette catastrophe, qui s'en dégage, vous allez voir pourquoi. Parce que finalement, on voit que Dieu, en regrettant son geste, c'est comme ça qu'il a créé le regret. Ça veut dire que, finalement, si vous voulez, si les choses étaient évidentes, avant que Dieu y regrette son acte, pour regretter son acte, il a été obligé de diminuer la lune et de voir, si vous voulez, la catastrophe que lui, Dieu, en quelque sorte, il a amenée sur terre. Mais en voyant cette catastrophe, alors il a pu regretter. Et en regrettant, il a créé le regret. Maintenant, s'il n'y avait pas eu tout ce processus, nous, on n'aurait pas pu regretter nos actes, puisque le regret n'existait pas. Il a fallu que ça passe par tout ce processus, d'accord? Ce remords. Et grâce au geste qu'il a fait Hachem, alors Dieu il engendra en fait le tout premier remords. Le remords qui est en fait un noble sentiment qui deviendra par la suite la source de la contrition, c'est-à-dire du repentir, du vouloir de la réparation en tant que recommencement possible. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de regret, on ne peut absolument pas recommencer, c'est pas possible. Si quelqu'un il n'a pas de regret, il vit comme un zombie, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, il y a rien qui se passe, d'accord? Mais le fait qu'il existe un regret, ça vient de ça. Ça vient de si vous voulez, du fait qu'il a diminué cette lune-là. Et finalement, on est obligé de passer dans un état qui est défaillant, vers un ordre originel et idéal. Ça veut dire de revenir après, finalement, ça s'appelle le repentir. Ça s'appelle, finalement, ce qu'on est en train de voir ici, c'est que qui c'est qui a créé la tchouva? C'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui le premier qui a fait une erreur. Entre parenthèses, entre guillemets. Parce que c'était inévitable qu'il fallait. Pourquoi il a fait, oui, une erreur. Mais cette erreur-là, il est obligé de la faire. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, si les deux luminaires y restaient à briller originellement, alors l'homme, il n'avait pas lieu d'exister. Il aurait pas pu avancer d'un millimètre. Mais comme il a diminué et que ça a créé de l'obscurité, il a regretté son obscurité. Et ce regret-là, c'est le premier remords qui a été créé. Et quand on voit que le Créateur lui-même, il a fait quelque chose de regrettable afin de regretter son geste.
Et c'est pour ça que toutes les personnes qui vont finalement causer des dégâts par la suite, que c'est en conséquence à cet acte regrettable, ils peuvent se rebrancher, toutes ces personnes, nous tous, on peut se rebrancher sentimentalement sur cette zone nommée le regret. D'accord? Et on va puiser là-bas toutes les sources requises pour pouvoir se hisser en dehors des fanges présentes du mal, d'accord, ambiant, il y a du mal ambiant autour de nous, et pour échapper à la gravité, à cette gravité dont on parlait tout à l'heure, parce que finalement, le fait de ne pas pouvoir, on a parlé tout à l'heure de cette gravité, du centre d'attraction qui nous empêche de nous éveiller, ça vient de cette catastrophe-là. Pourquoi? Parce qu'on est tombé dans la masse. Le point d'inertie, le fait de le centre d'attraction le qu'il y a sur Terre, il vient de cette diminution de la Lune, de cette masse qui a été, on est plein, on n'arrive pas à bouger des fois. Ça vient de cette masse qui est plus grande apparemment, où on n'arrive pas à voir la lumière qui est en nous. Et donc, à partir du moment où on va revenir grâce à ce remords, alors on va pouvoir rétroactivement réparer, abolir notre erreur, puis on va pouvoir la réparer. Finalement, on voit que, puisque c'est la faute elle-même qui va nous amener au regret, et donc à la réparation, et voilà donc ce qu'elle avait de positif, cette erreur-là. Puisqu'elle a amené le regret, c'est finalement de transformer la masse en énergie. Et c'est ça qu'il fallait démontrer, en fait. Vous comprenez? C'est tout un processus. C'est profond, mais c'est quelque chose de très très fort. Et puis ça nous aide à chacun de nous de comprendre qu'il y a des fois des choses qu'on peut absolument pas comprendre en nous-mêmes. Et que ça vient de cette diminution de la Lune qu'on la retrouve et on souffre de cette chose-là tout le temps, d'accord? Donc on voit que finalement tout était très très bien calculé et finalement ça a permis d'établir au passage que finalement la solution elle précéda le problème. C'est-à-dire que quand Hachem il envoie des problèmes sur Terre, d'abord il envoie la solution. C'est pas qu'il envoie un problème et il nous laisse livrer avec ce problème. Il envoie d'abord la solution. Et quand il envoie la solution, après, quand il envoie le problème, il y a d'abord la solution qu'il envoie. Et donc, en fait, on voit que le remède, il fut inventé bien avant que la maladie n'apparaisse. D'accord? Dans la création, en embryon, on voit que la création, déjà, il a créé, si vous voulez, le remède. C'est quoi ce remède? C'est le regret. Mais pour pouvoir créer ce regret, il a été obligé de faire une erreur et de diminuer cette lune-là. Mais en fait, maintenant, on voit que la lune, elle était bel et bien désespérée parce que finalement, Dieu n'a pas réussi à consoler cette lune, bien qu'il voulait. Et en fin d'argument, Dieu, il a vu que combien cette lune, elle demeurait affligée et se tournant à présent vers nos âmes, vers nous, les humains, le Créateur, il lançait un ultime argument. Les enfants, expiez donc pour moi. Ça veut dire que maintenant, j'ai fait une erreur et maintenant, c'est vous qui devez expier pour moi. Ça veut dire quoi? Il a transféré la responsabilité. Est-ce que Bémet, ça s'appelle un transfert? Est-ce que véritablement, ça s'appelle un transfert de responsabilité? Une remise de pouvoir, d'accord? Que Dieu nous donne maintenant le pouvoir de pouvoir, que maintenant il attend après nous, qu'on nous répare son erreur. Et on voit que selon les kabbalistes, ça sous-entend que finalement, Dieu il s'est fait solidaire de ce drame-là et que Dieu il va confier sa propre présence en exil avec la Lune. Ça veut dire que maintenant Dieu, il a tellement regretté son acte qu'il va rentrer, il va mettre sa propre présence en exil et il a juré Dieu de ne point libérer sa présence de cet exil tant que nous, êtres humains, ses enfants, les faibles humains, ne viendra pas pour
faire sortir cette présence divine. Ça veut dire que maintenant, tout est sur nos épaules. C'est-à-dire que, si vous voulez, chacun de nous, on a une partie de ce drame. D'accord? Maintenant, chaque partie de chacun de nous, c'est pas la même partie de notre voisin. Comprenez? Cette zone obscure que nous vivons, chacun de nous, c'est pas la même. Si on va dire, ah, maintenant, même si quelqu'un, il a un mari et une femme, alors ils sont censés être ensemble, ils sont ensemble. Mais la zone obscure de la femme, c'est pas la même zone obscure que le mari. Et les enfants de ce couple-là, ils ont aussi leur zone obscure. Ça veut dire que chacun, il est identifiable et il est, si vous voulez, unique en son genre dans cette zone obscure. Donc ça veut dire que maintenant, chacun de nous, on a une mission. C'est quoi la mission, les amis? C'est de libérer cette zone obscure et de la faire sortir, et qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire à part nous. Parce que Dieu, il s'est caché là-bas. Et alors maintenant, regardez, écoutez bien. Il s'est caché dans cette zone obscure puisqu'il est rentré en exil. Ça veut dire que dans la zone obscure, la plus grande qui se trouve en nous, d'accord? Ce qui nous fait le plus peur en nous, qu'on essaye de fuir par toutes sortes de choses qui nous font oublier notre but sur terre, d'accord? Et qui on est? On parle de la princesse maintenant. Alors tout ce qui nous fait fuir, c'est justement l'endroit qui nous fait le plus mal, et c'est là où on souffre le plus, et c'est là-bas. Mais Dieu est là-bas, il est enfermé. Dieu là-bas, il s'est cloîtré, il s'est mis là-bas parce que il a dit voilà, puisque j'ai fait cette erreur, maintenant moi je vais me. C'est comme si je vous donne un exemple. C'est comme si que le roi, il va s'enfermer avec des gens qui ont été pris en otage. Voilà. On a été pris en otage, mais le roi est avec nous. Voilà. Il peut pas, puisque c'est à cause de lui qu'on a été pris en otage. Alors maintenant, il va s'enfermer, il va rester avec nous, il va pas nous laisser une seule seconde. Donc, si vous voulez, maintenant, Dieu, il est avec nous, il est coincé avec nous on est pris en otage, il est coincé avec nous, mais chacun de nous, particulièrement, d'accord? Chacun de nous, singulièrement, chacun de nous tout seul, on a cette zone qui est obscure et Dieu, il est là-bas et il attend qu'on vienne le libérer. C'est-à-dire que chacun de nous, on a une part de cette catastrophe, de cette obscurité qu'on doit libérer et il n'y a personne d'autre que nous qu'on peut faire ce travail. C'est pour ça que, encore une fois, brièvement, mais c'est tout le sens de la prière. Le sens de la prière, c'est d'arriver à faire sortir ce morceau-là. Et comme ce morceau, on l'avait expliqué déjà, c'est un morceau de pierre, et que dès qu'on s'en approche, on se dit, mais comment on arrive devant quelque chose de tellement obscur et tellement dur qu'on a l'impression que c'est pas possible. Mais avec ce qu'on vient d'expliquer aujourd'hui, on voit que finalement, c'est ça tout notre travail sur Terre. Tout notre travail sur Terre. Bon, on a déjà, il y avait autre chose à dire. En fait, on voit que, parce qu'on vient de dire que le pouvoir de la guérison, il se trouve en nous-mêmes. D'accord? Il n'est pas ailleurs. Des fois, on cherche, on essaye de, mais en vérité, il est en nous-mêmes. C'est-à-dire que Dieu, il a mis en nous-mêmes la possibilité de nous guérir. Entre parenthèses, chers amis, même dans le corps. D'accord? Quand on dit, par exemple, maladie, c'est le mal qui dit. D'accord? Mal a dit. Il a dit. Ça veut dire que quand le corps, il a mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de parler, et qui est en train d'envoyer des alertes, qu'il a envie de guérir le mal, il mal a dit. Donc, on est obligé de passer par des fois des zones de mal-être dans notre corps, mais ça vient d'abord de notre esprit, et qui vient taper notre corps. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, si on avait la possibilité de donner au corps la possibilité de les nettoyer, de le respecter, alors le corps tout seul, il a la possibilité de se guérir. Oh, la même chose, notre guérison, elle se trouve en nous-mêmes. Et il est aussi parfaitement unique et approprié que, en fait, qu'elle est notre imperfection. Ça veut dire quoi? Que, finalement, notre guérison, il y a une guérison qui est là, qui est en nous-mêmes, mais elle est appropriée aussi à notre imperfection. Vous comprenez, puisque notre imperfection, c'est justement ce côté obscur qu'on a reçu à la suite de cette lune qui a été réduite. Et donc, toute comparaison avec la tâche
qui incombe à autrui. Ça veut dire que si on commence à dire, oui, mais toi, tu dois faire comme ça, et commencer à voir chez l'autre, qu'est-ce que l'autre, il doit avancer, on se plante complètement. On n'a pas à s'occuper de ce que l'autre, il doit faire, on doit s'occuper de ce que nous, on doit faire. Savoir s'occuper de notre obscurité à nous. Parce que, malheureusement, l'homme, il a tendance, l'être humain, il a tendance à regarder ce qui se passe chez les autres. Tout ça pour fuir sa propre réparation. D'accord? Ce qui lui incombe de faire. Et ce serait, si on agirait comme ça, on serait complètement hors sujet. En fait, pour expliquer ça et revenir à notre histoire du conte, en fait, je suis le second du roi. Chacun de nous, on est le second du roi. Le seul à pouvoir extraire ma propre princesse, mon étincelle, hors de la masse d'aberrations qui l'emmure, d'accord? Il y a une masse d'aberrations qui est emmurée dans cette obscurité. Et si tous mes efforts dans ce sens ne produisent que de maigres résultats, je dois me souvenir qu'en revanche, ils ont une valeur inestimable et irremplaçable. Parce que finalement, on ne va pas y arriver avec un coup de baguette magique. On va y arriver qu'avec du travail, les amis. C'est que du travail, mais seulement, la différence, c'est que Rabbeinu, Rabbi Nachman, il nous a éclairé comment il se passe le travail. Ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça nous donne un éclairage. On sait où on est, on arrête de rêver, on arrête de croire des choses, et on arrête de pleurnicher pour rien, parce que finalement, parce qu'on voit que c'est tout le monde qui est dans la même galère, d'accord? Mais la différence, quand on nous révèle que Dieu il est enfermé là-bas et que chacun particulièrement il doit faire sortir Dieu de là-bas, ça veut dire cette princesse, on voit que chaque petit effort, il est irremplaçable et inestimable. De ces élans, ces petits efforts, dépend la libération de cette fraction de présence princesse divine, d'accord? De cette présence de la princesse divine en exil, qui est en exil dans ma situation, là où moi je me trouve. Dans cette mesure, il n'est pas permis de dire que Dieu compte sur moi. Par exemple, dans cette mesure, il m'est permis de dire que Dieu y compte sur moi, d'accord? Et si mon service, ma prière me semble souvent dérisoire, c'est parce que je les compare à une sorte de chef-d'œuvre. Je voudrais voir la prière comme quelque chose d'extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre en fait imaginaire, appartenant peut-être aux chroniques de la splendeur mystique, d'accord? On se projette dans des choses qui sont complètement imaginaires. C'est vrai que comparativement à ces morceaux de bravoure que je vais faire, alors mon culte, il vaudrait pas grand-chose. Ça veut dire que c'est vrai que j'ai des morceaux de bravoure et tout ça, j'ai l'impression que ça vaut pas grand-chose. Mais si je considère ma situation, mes origines, mon manque d'éducation, mes troubles actuels, psychiques comme physiques, c'est tout un ballot de noirceur qui m'empêche de me concentrer et malgré lesquels j'essaie au moins de faire le peu que je peux, alors quelques nouvelles étoiles viendront s'ajouter au firmament de la consolation. D'accord? Finalement, on va, avec les petits efforts que je fais qui sont tout petits, c'est ça les petites morceaux d'étoiles que je vais amener dans cet univers. Imaginez-vous que quand on voit des étoiles dans le firmament, dans le ciel, dans la nuit, ces étoiles-là, elles brillent, mais le ciel, il reste noir. Alors c'est ça, c'est amener des étoiles dans ma noirceur. Et finalement, elles viendront s'ajouter au firmament de la consolation. D'accord? C'est quoi la consolation? La consolation de la lune, de cette lune, c'est finalement tous les petits efforts que chacun de nous ont fait, c'est là pour consoler la lune et dans l'avenir, à ramener cet éclat originel de cette lune. C'est la rédemption, c'est quand la princesse va être libérée. Et cette prière resplendit dans les cieux et prend place parmi les plus belles. De la récitation banale, elle se transforme en hymne merveilleux. Mais il faut savoir que cette prouesse, nul autre ne saurait l'accomplir à ma place. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Ni mes semblables, ni mes maîtres, fussent le plus grand de toutes les prophètes. Maintenant, si même Moshe Rabbeinu, même les plus grands prophètes, ils ne peuvent absolument pas faire ce travail à ma place. Puisque maintenant, je suis dans cette génération, maintenant, aujourd'hui, et que dans cette génération-là,
Il y a que moi qui peux faire ce que je peux faire pour moi-même. Et fût-ce Dieu lui-même, même Dieu, il peut pas, non par son incapacité, mais plutôt à cause de son engagement et de son serment de ne pas sortir de ma bauge, là, de l'endroit où je me trouve, tant que je n'en sortirai pas moi-même. D'accord? De moi-même. Ça veut dire que maintenant, Dieu, il est coincé là-bas. Si toi, tu fais pas l'effort, je reste là-bas, mais je reste avec toi. Mais je reste dans la boue avec toi. Mais maintenant, tant que tu sors pas, je peux pas sortir. D'accord? Et donc, il est lié, Dieu, à son propre vœu et à ne pas forcer les choses. Il peut pas forcer les choses. Il peut pas anticiper la rédemption. Il guettera mon éveil, mon bon vouloir. Il faut savoir que nous sommes finalement tous des justes, des tzadikim en puissance. Et en fait, on est tous des messies en puissance. Chacun, on a un point de messianique. Et donc, finalement, si on arrive à enfanter notre propre, notre personnage idéal, c'est en fait le but même de notre existence, à chacun. Et c'est que comme ça qu'on peut atteindre ce but. Et c'est, ça s'appelle finalement réussir sa vie. D'accord? Et finalement, si on le traduit en termes lyriques, ça veut dire retrouver en fait sa princesse. Et enfin, pour répondre à la question à du début qu'on a dit, pourquoi avoir choisi le lion? Et en quoi cette image peut-elle nous renforcer, d'accord, le dire soit fort comme un lion. En fait, si on prend le mot lion, on voit que le mot lion, il vient de la tribu de Judas, d'accord. Pourquoi? Parce que finalement, quand Judas il est né, c'est marqué que un verset où c'est marqué tu es un jeune lion, Judas. Quand tu reviens, ô mon fils, avec ta capture. Ça veut dire que Judas, il est comparé à un lion. Et donc, finalement, on voit que l'essence spirituelle de cette tribu, qui est Judas, est comme son nom Yehuda l'indique, c'est-à-dire la racine de Od. Od, ça veut dire, qui signifie la reconnaissance, c'est-à-dire le remerciement. D'accord? Finalement, quand il est né, Yehuda, c'est qui sa maman à Yehuda? C'était Léa. D'accord? C'était la femme de Yaakov. La première femme de Yaakov. Et donc, Léa, quand elle a enfanté Yehuda, elle s'écria, pour le coup, je rends grâce à l'Éternel. Oda, ça veut dire Oda, Yehuda, c'est le truc. Yehuda, c'est aussi Yehudi, ça veut dire juif. Ça veut dire que la racine même, quand on dit juif, et Yehudi en hébreu, ça veut dire reconnaissant. C'est ça un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui reconnaît et qui remercie sans arrêt son créateur. Et finalement, le nomma, Léa, elle nomma son fils Yehuda, qui est de la tribu, donc c'est Yehuda. D'après cette idée, on voit qu'en lui donnant ce nom, elle a indiqué Léa secrètement à son garçon comment mériter la noblesse et la puissance du lion. Finalement, c'est ça le secret. En remerciant et en se montrant reconnaissant. Vraiment et véritablement. Même si c'est dur, peu importe. Mais même dans la dureté, dans les difficultés de la vie, si quelqu'un, on lui dit, voilà, d'accord, tu passes des épreuves, t'as ça et ça. Mais fais aussi le compte de tout ce que Dieu t'a donné la vie aujourd'hui. Il t'a donné ci, il t'a donné ça. Remercie déjà sur ce qu'il t'a donné. C'est ça qui repousse toute l'obscurité. Et en fait, pour essayer d'expliquer pourquoi la gratitude, elle va nous dynamiser, elle va nous donner des forces. On va donner une image. C'est comme si qu'on était possesseur d'une petite fortune, d'accord? Mais on ne le sait pas. Imaginez-vous quelqu'un qui a une fortune, il a de l'argent, il a une fortune, mais qu'il ne le sait pas. Que cette fortune-là, on va dire, elle est coincée chez un notaire, par exemple. Et donc, on va mener une vie ordinaire, puisqu'on ne sait pas qu'on a cette fortune, et on va sentir qu'on est quelconque. On a rien de spécial, d'accord? Puisqu'on vit... On ne sait pas que cette fortune elle existe. Mais si soudain on nous informait de notre fortune d'un seul coup, d'accord, alors on serait complètement propulsé. On aurait de l'audace,
On aurait même de la sûreté de soi-même, qu'on serait sûr de nous. Et même un petit peu, peut-être même de l'arrogance, quelque part. D'accord? Même si maintenant on nous dit, cette fortune, tu peux pas l'utiliser, elle est bloquée pour l'instant, mais elle est à toi, tu vas la recevoir, même si on nous dit, tu vas la recevoir dans 5 ans, dans 10 ans, ça change complètement les perspectives des choses. Alors, finalement, si on prend cette image, lorsqu'on va se lever le matin et qu'on va être un peu grincheux et qu'on sera pas trop content, d'accord? Alors, en fait, on voit que le matin, quand on se lève, il y a les remerciements du matin. Le code de hébraïque qui nous enjoint d'effectuer d'abord de se laver les mains, tout en nous fournissant la raison. Finalement, c'est quoi la raison pourquoi on se lave les mains et qu'on commence la journée? Parce que cette âme qui vient de nous être rendue à l'occasion de notre réveil n'est pas moins qu'une fille de roi. Elle est si délicate qu'elle ne supporterait pas de séjourner dans un corps non purifié, encore engourdi et troublé par tous les aléas du sommeil. D'accord? C'est pour ça qu'on se lave les mains le matin. Donc elle est tellement sensible cette princesse, c'est pour ça qu'on se lève les mains. Et à travers le code de ces simples lois qu'on fait, Léa, la mère de Judas, puisque c'est notre maman Léa, puisque c'est de là que la tribu de Yehuda elle est sortie, elle nous chuchote à nouveau son secret. Remercie vite le Créateur pour les milliers de miracles qu'il opère à chaque seconde pour te maintenir en vie. Remercie-le à chaque instant. Et cet acte de gratitude que notre tradition, elle formule sous forme de bénédiction matinale qu'on fait tous les matins, alors ça va nous jeter une lumière nouvelle sur la situation. Et ça va nous faire découvrir nos trésors, prendre conscience de nos pouvoirs. D'accord? Le problème, c'est que quand on n'arrive pas à reconnaître et à remercier, on n'arrive pas à voir nos pouvoirs. À partir du moment où on remercie, on commence à dévoiler notre. C'est comme si que un instant, on nous avait donné la possibilité de dévoiler ce point obscur. Si même après, il redevient encore obscur. Il y a le jour, il y a la nuit, c'est normal. Il y a le jour qui pointe, et puis après, il y a la nuit qui revient. Donc on vit à chaque fois des montées, des descentes. Mais en attendant, quand on va remercier, on va se brancher sur ce trésor. On va commencer à prendre conscience de notre pouvoir. Ce qui va nous rendre forts comme des lions. Forts pour servir Dieu en ramenant à Dieu cette fille, cette princesse exilée qui est en fait la prière. Cette princesse qui est exilée, c'est la prière. Voilà, Bo Rachem, on a été un peu plus long que d'habitude, mais c'était pas possible de s'arrêter au milieu. Et Bezrat Hachem, si vous voulez, alors on va passer s'il y a des questions. Voilà. Allô, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Quel calme! Voilà, bah, écoutez, c'est la conclusion du livre, là, on arrive au dernier cours quasiment, non? Non, non, il y a encore des explications, Bezrat Hachem. Tant qu'on en a, on continue, si vous permettez, bien entendu. Bien sûr, Voilà, non, on est dans Zé Bo Rachem, on a le mérite d'être rentré dans une vraie épopée. Ça fait bientôt 1 an qu'on a commencé ce sipour. Mais c'est pour la vie, cette histoire. Et tout ce qu'on arrive à rajouter, il faut le rajouter et le vivre. C'est très important. Ah, il y a une chose que je veux vous le dire, une chose très importante. Il s'est passé un phénomène extraordinaire à Ouman. Il y a ce qu'on appelle le Kloyz. C'est le Beta Midrash, c'est la choule que Rabbi Nathan, il a construit, d'accord, à l'époque, après Rabbi Nachman, quand il a quitté ce monde, Rabbi Nathan, il s'est mis quelques années après à construire une choule à Oman, qui se trouve finalement de l'autre côté de la vallée où Rabbi Nachman, il est enterré au haut de la vallée, il y a un creux, et de l'autre côté de la vallée, il y a une bâtisse, et c'est la choule de Rabbi Nathan. Et sachez une chose, c'est que cette choule, à l'époque, c'est la dernière qui restait active à l'époque du communisme. À savoir que à l'époque du communisme, qu'est-ce qui s'était passé? Les communistes, ils fermaient toutes les choules. Et donc, comme ils fermaient les choules, toutes les choules, elles prenaient leur Sefer Torah et elles amenaient toutes leur Sefer Torah
à Ouman, dans cette choule, puisque c'est la dernière qui a été fermée. Et imaginez-vous qu'il y a un moment où dans cette choule, il y avait 700 sifrei Torah, 700 rouleaux de Torah. Et jusqu'à la fin, où la dernière choule d'Ukraine qui a été fermée, c'est celle d'Ouman, celle de Rabbi Nathan. Je vous parle de ça dans les années 1900, Rabbi Nathan était déjà parti de ce monde. Mais c'était la dernière choule qui était active. Et même après ces rouleaux de Sefer Torah, on les a retrouvés, que Dieu préserve, au marché. Ils faisaient des emballages, ils avaient déchiré, ils ont profané ces rouleaux de Sefer Torah. Maintenant, sachez, il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que depuis des années, depuis une trentaine d'années ou même plus, si vous voulez, les chassidim, ils ont essayé de récupérer cette choule qui appartient à un Ukrainien. Ils ont jamais voulu la donner, jamais voulu. Et maintenant, Baruch Hashem, là, cette semaine, la semaine dernière, cette choule-là, elle a été relouée pour une période de 100 ans, ça veut dire qu'elle est revenue dans la main des Juifs. Et elle va être réouverte. Voilà, ils sont en train de faire quelques petits travaux parce qu'il y avait des trous là-bas, des trucs vraiment des petits travaux pour que les gens ne se cassent pas la figure là-bas. Mais on espère que cette semaine, elle va s'ouvrir pour qu'on puisse prier là-bas. Maintenant, sachez une chose, c'est qu'il y a une tradition chez les Hassidim de Breslev, qu'ils ont dit que du fait que c'était la dernière qui existait à Ouman de toute l'Ukraine, que c'était la dernière qui était active, quand elle rouvrira, ça veut dire que Mashiach, il a la Bezrat Hashem, on est là, quoi. C'est ici, vous comprenez, parce que c'est un signe très 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 fort. Voilà, juste, je voulais vous faire partager cette chose-là extraordinaire. Et voilà, on attend Bezrat Hashem, j'espère demain ou après-demain qu'on pourra prier là-bas, faire minyan là-bas. Envoyez-nous des photos. Bien sûr. Dès que j'irai, je vous enverrai des WhatsApp, il n'y a pas de problème, Bezrat Hashem, des vidéos. Voilà pour l'histoire, quoi. C'était important de vous le dire. Voilà, les amis, Bezrat Hashem. Dieu veut, on se retrouve demain, à moins qu'il y ait des questions ce soir sur le cours. C'est pas obligé les questions, c'est pas, des fois c'est bien aussi sans question. C'est plus une synthèse, alors il y a moins de questions. Ouais, et puis on retrouve beaucoup les éléments du truc, c'est une synthèse, et puis bon, il y a aussi des développements, mais c'est ce qu'on a appris ce soir pour la diminution de la Lune, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé dans des cours, mais ce soir on l'a expliqué pour expliquer le côté de la masse, notre inertie, notre apathie, d'où ça vient. Et à la fin, on a terminé avec le lion et avec la reconnaissance. Voilà, les amis. S'il vous plaît, comment on peut expliquer que Dieu puisse se tromper en créant deux lumières égaux? Je vais vous dire une chose. Le fait de dire se tromper, c'est par rapport à ce que nous, on comprend de se tromper. En vérité, on ne peut pas rentrer dans les calculs de Dieu. On a expliqué un processus, si vous voulez, que nous, on comprend avec notre raison, avec notre intellect. Mais c'était quelque chose d'inévitable, ça veut dire que ça faisait partie de la création. Il s'est trompé, mais il ne s'est pas trompé, comprenez? C'est sûr qu'il ne s'est pas. Mais si vous voulez, pour que nous, petits humains, on comprend que finalement, d'où vient le regret? Il vient du fait que Dieu, il a été obligé de faire une erreur, entre guillemets, c'est pas une erreur, puisque ça faisait partie du processus. On a expliqué que s'il n'y avait pas eu cette diminution de la Lune, il n'y avait pas lieu que l'être humain, il existe et qu'il puisse avancer. Vous comprenez? Donc, c'est une erreur, mais c'est une erreur qui était prévue et qui est très... Mais ça, on ne peut pas comprendre. C'est comme si je vous disais, est-ce que c'est possible d'imaginer une porte ouverte et fermée en même temps? On peut pas, notre intellect, il peut pas imaginer une chose pareille. On peut imaginer, si on ferme les yeux, une porte qui est fermée ou elle est ouverte. Mais fermée et ouverte en même temps, c'est pas possible. Donc c'est des choses que nous on peut pas comprendre. Mais si vous voulez, au niveau des secrets de la Torah, on essaie de nous donner des images et nous expliquer certaines choses. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. De là de rentrer dans des questions, de savoir est-ce que c'est possible qu'il se trompe. Non, c'est pas du tout là la question. C'est sûr qu'il s'est pas trompé. Vous comprenez? On peut pas rentrer dans ces pensées, dans ces spéculations. C'est pas à nous de rentrer là-dedans. On peut pas, c'est impossible. On n'a pas du tout. On n'est pas construit pour le faire. Pourquoi? Parce que on parle de quelque chose d'infini, de quelque chose d'éternel qui s'appelle Dieu. Et nous, on n'est pas éternel. On est fini. Donc on peut pas se mesurer. On peut pas comprendre. C'est pas possible. Et celui qui essaye de comprendre,
C'est ce qui s'appelle la spéculation ou la philosophie ou le ou les. Alors c'est très 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 dangereux. C'est quelque chose qui peut faire sortir la personne complètement de la croyance et de la émouna. C'est très très dangereux. Rabbi Nachman, il nous dit de il faut rester dans la émouna, c'est tout. On a expliqué pour nous donner, pour faire comprendre notre état, où c'est qu'on est, qu'est-ce qui se passe avec nous, nous donner un petit éclairage, mais pas plus que ça. On peut pas rentrer maintenant dans ces choses-là, vous comprenez? Voilà la réponse. Bonsoir, Arcoen, vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Je vous remercie beaucoup déjà parce que c'est très très beau tout ce que j'entends. Ça fait pas très longtemps que je fais partie du groupe. Donc vraiment, je vous remercie. Je voulais juste une question concernant le regret. Oui. Est-ce que si le regret est trop fort, est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi de mesure? Je m'explique. Si le regret est trop fort, est-ce qu'il ne nous amène pas aussi à une culpabilité et qui nous empêcherait aussi d'avancer? Si j'ai bien compris, enfin, si j'ai un peu compris, enfin, ce que je comprends peut-être, c'est que vous dites que le regret nous permet de réfléchir, en fait, enfin, de faire un travail sur soi pour avancer. Je vous... ça oui, on... j'ai parlé le regret à l'état pur. Maintenant, c'est très important ce que, la question que vous avez posée. Il y a le regret à l'état pur, on a expliqué d'où vient le regret. Mais maintenant, vivre le regret, ça c'est autre chose. Et comme, il y a, c'est sûr qu'il y a une mesure et il y a d'autres éléments qui viennent se mettre en cours avec ce regret-là. C'est sûr que si quelqu'un y rentre dans un regret excessif, il va tomber dans une dépression. C'est impossible. C'est pour ça que c'est important de se rapprocher des textes de Rabbi Nachman, parce que lui nous apprend, d'abord il nous apprend d'où vient le regret, il nous apprend qu'est-ce que le regret, il nous apprend la mesure du regret, vous comprenez? Il nous apprend comment le vivre, etc. Et quand on a tous ces éléments, alors on peut le vivre comme il faut, sans que ça nous abîme. Mais si on le prend comme à brûle-pourpoint comme ça, ça veut dire sans explication, effectivement, on va se dire, alors dès que je regrette, je répare, et c'est pas comme ça. C'est des fois une personne, je vais vous dire, des fois une personne, elle peut regretter, mais avec son regret, elle est excessive. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement, elle est détraquée. On est tous détraqués émotionnellement. Donc on va vivre notre degré d'une manière comme un drame. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, Baruch Hashem, il faut savoir que le fait de suivre les conseils de Rabbi Nachman et de... Je vais vous dire une chose, pour donner une petite réponse, ça pourrait faire lieu d'encore d'un cours et de développer encore plus loin, c'est qu'en fait, Rabbi Nachman, il a dit que une heure par jour, bien entendu, on faut s'entraîner, mais il dit qu'il y a un moment par jour, une heure par jour où il faut parler avec Dieu. D'accord? Il faut se retrancher, s'isoler et de parler avec lui. Pendant ce temps-là, il y a une partie où on va parler de nos erreurs, des choses qui se passent avec nous, et on va demander à Hachem de nous aider. On va le remercier d'abord. Après, on va parler de nos erreurs. Après, on va parler de... D'accord? Toutes ces choses-là, si vous voulez, c'est une mesure où c'est pendant un temps par jour. Le reste du temps, faut être besimcha. Faut jeter cette chose-là, elle n'existe plus. Le problème des gens, je vais vous dire, c'est quoi? C'est que comme ils ne s'isolent pas pour faire leur état de conscience, de voir où ils sont sur le monde, dans le monde, d'essayer de chercher une direction, de chercher comment faire pour de demander de l'aide de Dieu. Donc, ils font pas cette chose-là. Alors, si vous voulez, cette zone de regret, elle les poursuit et leur conscience ne laisse pas tranquille et ça se diffuse dans toute la journée et finalement, ils sont pas bien avec eux-mêmes. Alors que Rabbi Nachman, il a dit, il faut prendre ce moment-là, le mettre à un moment où on s'isole pour être avec Hachem, et le reste du temps, il faut être besimcha, il faut être joyeux. Ça veut dire, c'est, t'as fait ta partie d'aujourd'hui, terminée. Tu t'es concentré sur ce truc-là, terminé. Le reste du temps, il faut être besimcha. Vous comprenez? Donc déjà, si vous voulez, dans le conseil de Rabbi Nachman, qui nous demande de parler avec Hachem, de s'isoler, de faire la Hidbaud des doutes, on voit que dedans, il y a, si vous voulez, la méthode. Pourquoi? Parce qu'après, c'est fini, on ne doit plus s'occuper de ça. Sinon, vous voyez des gens qui s'empêtrent, c'est-à-dire qui sont toute la journée dans ce truc-là sans le vouloir. Mais si vous voulez, leur conscience ne les laisse pas tranquilles, ils sont poursuivis. Donc si vous voulez, le regret, il doit être pointé, comme on dit, on doit le concentrer, on doit le mettre dans un,
On doit le, voilà, un moment est terminé. Juste après, un temps. Pardon? Juste un temps, c'est ça? Voilà, juste un temps. C'est le temps où on s'isole pour aller avec Dieu. Si quelqu'un il commence à prendre ce regret, il commence à se mortifier avec ça, mais il est mort. Il va mourir. Il peut pas. C'est impossible. Pour ça que les gens, ils n'ont pas la force de regretter. C'est que dès qu'ils regrettent, ils tombent malades parce qu'ils n'ont pas la mesure. La mesure, Rabbi Nachman nous l'a donnée. La mesure, isole-toi. Prends-toi en main. Même si ce que, quand tu te prends en main, tu prends, par rapport à ce que tu dois réparer, c'est comme si que, je sais pas moi, tu devrais prendre un semi-remorque avec du sable et tu dois enlever tout le sable avec une pioche et de le mettre par terre, de le sortir du camion. Et qu'en vérité, ce que tu fais, c'est que tu arrives à enlever juste une petite pioche, tac, tu sors un petit peu de terre. T'as essayé, mais à partir du moment où t'as essayé, ça s'appelle se prendre en main. Parce que t'es dans la direction, ça y est, t'es dedans. Vous comprenez? Donc finalement, c'est la mesure. Et Baruch Hashem, je vais vous dire une chose. Tout ce qu'on étudie dans les études de Rabbi Nachman, dans ce qu'on étudie, j'ai vu ce Shabbat que le livre de Rabbi Nachman, les livres de Rabbi Nachman, ça s'appelle le visage du tzaddik. Tout ce qu'on étudie sur la pensée, sur les textes de Rabbi Nachman, ça s'appelle se retrouver devant le tzaddik et recevoir de sa lumière. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, on va recevoir quand on étudie un texte, quand on se rassemble pour étudier ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que chacun de nous, on va recevoir un transformateur qui va nous permettre de prendre les choses avec mesure. Si on les prend juste dénudés de toutes les, on dit regret, ça fait peur. Jugement, ça fait peur. Tous ces mots-là, ils font très très peur. Comprenez? Donc, il faut les prendre avec proportion et chercher tout simplement dans les écrits et dans le fait d'étudier. Petit à petit, on apprend à vivre, tout simplement. On apprend à vivre. Voilà. Merci. Avec plaisir. Alors, chers amis, Bezrat Hashem, j'espère vous revoir demain. Merci, à demain. Je vous souhaite Shavua Tov et beaucoup de bracha, beaucoup d'atzlacha. Et merci à vous tous. Et à demain, Bezrat Hashem. Merci. À bientôt. Merci à au revoir. Au revoir. Shavua Tov.